Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. On enchaîne les dingueries, les amis. Ce chapitre ne fait pas exception à la règle, mais il va falloir attendre un mois avant de voir la suite. Oui, un mois. Et en plus, vous avez vu là où Oda nous a laissé? Eh ben, c'est le maître des cliffhangers. Enfin, de toute manière, les jours passent tellement vite maintenant. On y sera en un rien de temps, les gars. Il n'y a pas de souci à avoir là-dessus, à mon sens. Mais je me fais tout de même du souci pour l'opération d'Oda. Vous n'êtes pas sans savoir que Oda va se faire opérer des yeux et que c'est pour ça que One Piece est en pause durant un mois. Et je vais pas vous mentir, j'ai toujours des inquiétudes là-dessus parce qu'une opération des yeux, quoi. Une opération des yeux, c'est pas sans risque. Donc oui, en soi, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, mais voilà, il y a toujours l'inquiétude qui est là. Et pourtant, je devrais vraiment me calmer un peu. Enfin bon, avant de parler du chapitre, un mot sur la première page, comme d'habitude. Il s'agit d'une requête de fans en couleur qui montre Chopper et un chat en train de traverser ensemble une flaque d'eau où reflète un arc-en-ciel. Pratiquement tous les Mugiwara sont là également, mais étrangement, il nous manque Zoro et Jinbe. Alors je ne sais pas, est-ce qu'ils n'avaient pas assez de place pour les mettre? I don't know, mais bon, c'est quand même bizarre que ce soit les deux seuls qui manquent pour le coup. Enfin, bon, maintenant que ceci étant dit, on peut parler tranquille du chapitre. On poursuit le flashback de la rêverie et la disparition soudaine du roi Cobra et de Vivi incite Igaram, Chaka et Pell à les chercher partout. On voit que Vivi et Wapol se sont cachés dans la cale d'un bateau en attendant Big News Morgans que Wapol a contacté. D'ailleurs, Wapol a refusé de dire la vérité à Vivi concernant la mort de Cobra. Pour le coup, il a eu la décence de quelque chose. Donc, GG pour ça pour une fois à Wapol. Aussi, on peut voir que Bonnet et Sabot sont également cachés dans de différents bateaux. Le royaume Tajin pour Bonnet et évidemment le Lucia pour Sabot. D'ailleurs, ce dernier est clairement dans un sale état, il est grave amoché. Et cela en dit long sur la puissance de Imu et bien entendu des 5 doyens. D'ailleurs, en parlant de tout ce bon monde, on découvre que Lucia a été détruite non pas par une arme antique, comme je pensais du coup à Uranus, mais par une arme inventée par le docteur Vegapunk nommé Mother Flame. Bon, il est fort probable que York ait vendu cette nouvelle invention au gouvernement mondial en échange d'un titre de noblesse. Je trouve que c'est très plausible du coup, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est moi ou Imu agit comme un gosse? Il dit je veux si, je veux ça, puisqu'il dit je veux Vivi, enfin voilà, il agit comme un gosse. Est-ce que la théorie comme quoi Imu serait un gosse serait réelle? Et du coup, ça concorderait un peu avec ma théorie sur Max et les Maxi Monstres. J'en ai parlé lors de ma dernière review sur le chapitre 1085. Je faisais une comparaison entre Imu et les doyens et Max et les Maxi Monstres. Il y a pas mal de similitudes et comme Max est un enfant roi, alors je sais pas, Imu c'est peut-être bel et bien un enfant du coup. Enfin, quoi qu'il en soit, ce chapitre semble confirmer que Imu est genré au masculin et non au féminin. Enfin, quoique, la traduction officielle anglophone ne dit pas que c'est un homme de but en blanc. Donc, je ne sais pas trop quoi penser là-dessus, pour être honnête. Est-ce qu'il est bien dit dans la version japonaise que Imu est un homme, enfin du moins, qu'il est genré au masculin? Oui, je sais, Oda, il joue avec nous, il nous fait croire que c'est un homme alors qu'en réalité c'est une femme. Mais là, la théorie du gosse est extrêmement plausible. Donc, à suivre. Mais là, j'ai pas mal de doutes avec ce chapitre, pour être honnête avec vous. Enfin.
Ensuite, nous avons eu une magnifique double page qui nous révèle les noms des autres doyens. Enfin, j'ai envie de dire, et ce sont bien des noms de planètes ou bien des jeux de mots pour certains. Et j'ai un peu foiré pour qui est qui, à part pour un. Bon, bref. Alors, on a Saint Marcus Mars, dieu guerrier de l'environnement. Saint Topman Warcury, donc Mercure, dieu guerrier de la justice. Saint Ethan Baron Vénus Juro, donc Vénus, dieu guerrier des finances. Et enfin, Saint Shepard Jupiter, Jupiter donc, dieu guerrier de l'agriculture. Saturne, quant à lui, est le dieu guerrier de la science et de la défense. Ouais, ce sont des dieux, et en plus de ça, on sait enfin qui est qui, donc c'est cool. J'avais seulement eu bon sur Warcury, mais au moins notre intuition à tous était la bonne, comme quoi ils ont des noms de planètes. Déjà ça, c'est une victoire pour moi et pour nous tous du coup. Enfin bon, j'ai trop hâte d'en apprendre plus sur eux, notamment sur leurs pouvoirs. Et je vais profiter de ce mois de pause pour tenter de refaire une vidéo là-dessus. Bon, maintenant que ça c'est dit, le flashback se termine sur l'apparition des trois séraphins manquants, à savoir Doflamingo, Moria et Crocodile. Hâte de voir quel pouvoir ils ont du coup. Enfin, le S-Croco, hein, parce que on sait que Vegapunk ne peut pas reproduire les Logia. Donc j'ai hâte de voir quel pouvoir il a lui. Et du coup, il y en a pas mal qui ne savent pas si Crocodile est un homme et une femme parce que sa version séraphin ressemble à une fille. Bah j'ai envie de dire, pour moi c'est un petit peu androgyne pour le coup. Peut aussi bien être un garçon qu'une fille, donc je ne vais pas trop m'exprimer là-dessus. Parce que vous connaissez la fameuse théorie de Crocodile qui était une femme avant et tout, enfin... Bon, voilà, je reviens pas là-dessus, mais bon, je dois avouer que j'aime bien cette théorie. On retourne ensuite dans le présent avec Sabot, Dragon et Iwankov. Ce dernier pense que Imu est Nerona Imu, l'un des 20 premiers souverains, et qu'il ou elle a peut-être acquis l'immortalité grâce à l'opération de Jouvence. Bah, c'est assez évident, de toute façon, j'ai envie de vous dire, hein. Je ne pense pas que le doute soit permis sur ce cas-là, les amis. Ensuite, Iva spécule que l'arme qui a détruit l'Olysia est l'une des armes antiques. Mais bon, évidemment, ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une arme inventée par Vegapunk, le Mother Flame. Et je reste sur mon hypothèse comme quoi c'est York qui l'a vendue au gouvernement mondial. Et enfin, le chapitre se conclut sur quelque chose d'absolument incroyable, une note complètement ouf, et assez triste aussi, faut l'admettre. On apprend que Sainte Miosgard, le dragon céleste gentil, a été exécuté sans que personne dans le monde ne le sache. RIP mon gars. Comme quoi on a des morts dans One Piece, on en a, et surtout depuis le début de cet arc, on en a quand même pas mal. On a eu T'Chaka, T-Bone, bon ça a été révélé dans un journal. On a aussi eu Cobra, maintenant Miosgard. Donc voilà, finalement on en a des morts dans le monde de One Piece. Enfin, la personne qui a exécuté Miosgard est l'actuel commandant en chef des Chevaliers Divins. Sainte Figarland Garling. Les gars, souvenez-vous bien. Dans le film Red, il est sous-entendu que Shanks est un Figarland et donc un noble. Cela expliquerait pourquoi il a pu avoir un entretien avec les cinq doyens. Est-ce que, comme beaucoup le pensent actuellement, Garling est le père de Shanks? Ça, c'est intéressant. Dans la traduction officielle anglophone, il est dit qu'il est l'ancien roi de God Valley. Alors que dans la française, il est appelé champion et il est dit simplement qu'il a joué un rôle important sur God Valley. Il n'est même pas décrit comme l'ancien roi, contrairement à la version officielle anglophone, je vous le précise. Donc, je ne sais pas, je trouve ça vraiment bizarre.
bizarre. Même chose du coup pour le genre d'Imu. Je sais que j'attends à chaque fois la traduction officielle, mais là, il y a trop de différences entre les deux versions officielles, que ce soit l'anglophone ou la francophone. Et ben là, je sais pas quoi penser, pour être honnête avec vous, les gars. Donc, je sais pas. Peut-être que ce sera éclairci dans le futur, mais là, je trouve vraiment bizarre que la version française nous dise un truc complètement différent, quoi. Enfin, qu'est-ce que je disais, moi, en gros, avant? Ah oui, en gros, cela expliquerait pourquoi Roger a trouvé Shanks dans un coffre en quittant Good Valley. Parce que si Garling, évidemment, on était le roi, que Shanks est son fils, voilà, ça expliquerait pas mal de choses. Et ça, c'est trop une dinguerie. Et d'ailleurs, les chevaliers divins, on avait vu leur silhouette, une qui ressemblait à Shanks, du coup. Donc non, c'est clairement pas la forme qui est au milieu, à moins que c'est Garling quand il était jeune et qui ressemblait à Shanks. Enfin, s'il est le père de Shanks, évidemment. C'est encore trop mince pour le moment. On verra bien, mais bon. De toute façon, c'est l'actuel commandant en chef. Donc, il y avait quelqu'un avant lui. Enfin, ce chapitre incroyable nous a révélé beaucoup de choses. Des choses qui ont détruit certaines théories, en ont confirmé d'autres, et qui nous fait poser de nouvelles questions aussi, ouais. Malheureusement, on va devoir attendre un mois avant le prochain chapitre. Je dirais grosso modo 16-17 juillet à peu près. Je parle surtout pour moi puisque je lis le chapitre le dimanche maintenant. Enfin bon, je sais pas. Faudra que je regarde ça et dès que je sais, je laisse un tweet. Ouais, on va voir ça. En tout cas, tout mon soutien à Oda pour son opération des yeux, bien évidemment. J'espère que ça va bien se passer. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, bien évidemment, en me donnant votre avis sur ce chapitre. Bien évidemment, sur Imu, sur le Gorosei, sur la fameuse arme là, inventée par Vegapunk, Mother Flame, sur le fameux Garling là, le commandant en chef des Chevaliers Divins. J'ai super hâte d'en discuter avec vous, bien évidemment. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et bien entendu, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye !